Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Kageki, c'est Kage quoi, c'est Kageon bien sûr. Et aujourd'hui nous allons revoir en VOD l'épisode 13 de mon live Twitch sur A Plague Tale Innocence. Dans le dernier épisode, nous avons pris le contrôle d'Hugo en plein cœur du repère de l'Inquisition pour retrouver sa mère, Béatrice, qu'il retrouva d'ailleurs. Et là, grosse révélation, Hugo est capable de sentir et de contrôler les rats. Nous avons dû affronter les sbires de Vitalis, mais malheureusement, Hugo ayant utilisé trop de pouvoir, s'évanouit et nous restons prisonniers de l'Inquisition. Nous voilà maintenant de retour avec Amicia au château, une Amicia triste d'être séparée de son petit frère, et c'est ici que notre aventure va reprendre. On arrive bientôt à la fin de l'aventure et de sa conclusion, en espérant que cette suite vous plaise. N'oubliez pas de mettre un petit like pour le soutien de ma chaîne. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Chapitre 15, Réminiscence. Et on est de retour avec Amicia. Qui c'est qui fout le bordel là? Qui c'est qui fout le bordel dès le début de l'épisode là? Qu'est-ce qui se passe? Le soleil va bientôt se coucher. J'espère qu'Hugo le voit, de là où il est. Et oui, Hugo, c'était au dernier épisode, il a retrouvé sa mère, Béatrice, et on a appris que Hugo pouvait contrôler les rats. C'est pas qu'il pouvait, c'est il nous l'a montré, il peut contrôler les rats. Il a une sorte de pouvoir. Il y a eu beaucoup de passages d'histoire dans le dernier épisode quand même, beaucoup de révélations, mais on n'a pas encore tout appris. Je crois que Roderick travaille dans la cour. La serrure est encore gelée. Oui, l'hiver est rude cette année. Alors, cette sieste, tu te sens mieux? Un peu. Tu as encore rêvé de lui? Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci, Lucas. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Oh, tu peux dire à Amélie pour le coffre? D'accord. Oh, Amélie va encore me dire, bah... qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Là, ce que je trouve dommage dans cette séquence-là, c'est que au niveau de les voix françaises, ben, l'émotion, elle était là. Mais au niveau du visage du personnage, après, on est en 2019, donc ils peuvent se permettre quand même. Là, c'est pas ouf. Au niveau de l'émotion du personnage, au niveau de la tristesse, c'était pas vraiment là. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où, là? C'est marqué quoi? Rejoindre les remparts du château. Comment elle peut être bloquée? Le froid, je te dis. C'est presque pire que la roue. Le froid est magique. Ok, là on peut aller par là et par là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, la petite fleur. C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Oh, elle est sentimentale. Le saxifrage. Oula. C'est bien, on apprend des noms de plantes dans ce jeu, c'est incroyable. Alors, le saxifrage, souvent présenté dans les environnements froids et montagneux, s'infiltrant jusque dans les fissures des roches pour s'abriter du gel. La saxifrage est aussi appelée perce-pierre. Elle symbolise l'inéluctable des choses et une forme de désespoir. Ce surnom provient du fait qu'on l'a considéré comme un moyen de dissoudre les calculs rénaux. C'est très rare que je lise des trucs comme ça dans les jeux. Mais là, je sais pas. L'histoire des petites plantes, ça m'intéresse. Toi aussi, tu te sens seul. Hein. Allez, courage. Un jour de plus. Ça va aller, on va y arriver. On va le retrouver, notre petit Hugo. On va falloir aller le sauver, notre Hugo. Bon, faut aller au niveau des remparts, je sais pas trop où c'est. Je me souviens de chaque endroit, chaque moment. Là, on a une petite soupe. C'était le tour de qui? Mélie? Non, ça sent pas assez le poivre. Bon, en tout cas, personne surveille la soupe. Hein. Ça, c'est ce que je constate, moi, c'est que personne ne surveille la sous-soupe. Allez, une peau de bison. Attends, on va continuer de ramasser avant d'utiliser l'établi pour voir si on peut améliorer quelque chose. Hugo se serait rendu malade avec ça. Hugo, il nous faisait chier, Hugo. Et maintenant, c'est elle qui va nous faire chier avec Hugo. Ça, c'est chiant, ça. C'est pas cool. Roderick n'a toujours pas pu avancer les travaux à cause de la neige. Ah, la neige, ça fout la merde. Alors, s'il y a encore quelque chose là. Tissu.
Est-ce que... Oui, je peux améliorer corde. Alors, la fronde ne fait plus de bruit. Ah ouais, ça c'est pas mal ça. Ça c'est plutôt même très très intéressant. Bon, de toute façon, allez, ouais, c'est quand même assez intéressant. On va le prendre de toute façon. On améliore. Pas mal. Pas mal du tout. Et moi, je veux rester ici. Ah ouais? Et si? Et si? Et si? Et si toi, t'arrêtais de vivre comme un animal? Oh. Et c'est par là la suite. Salut, Amicia. Salut. Il y a de la neige, hein, la vache. Ça y vole. Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer encore une fois. Tu m'emmerdes. Je veux nous garder en vie, c'est tout. Comme on a toujours fait. Et la nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la ferais chier? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles. Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Rejoindre les remparts, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va devoir faire avec Arthur? Rejoindre Arthur, c'est bon. Rejoindre Arthur, il est juste en face de nous. Ouais. Allez, je ramasse, je ramasse. Alors Arthur, qu'est-ce qu'on fait? Mettons les brasiers en place. Commence par... Par celui-là. Oui, je sais. Ça fait des semaines qu'on suit la même routine, Alicia. Désolée, ça m'aide à dormir de savoir que la fosse est sécurisée la nuit. Alors, ça va? Je me sens vieille. T'es pas mal pour une vieille. Merci. Tu sais, oh, je connais pas beaucoup. Il me drague, l'enfoiré. Il t'aimerait bien. Tu crois? Tu nous as sauvés. Tu t'es fait prendre, tu t'es échappé. On dirait le héros d'un livre. Un héros? Mais il aurait été triste que tu partes. Ah. C'est bon. Ah oui, non, c'est. Je pensais que c'était un soldat ennemi, mais non. Tu l'aimes ton unifère, pas vrai? J'aime bien le feu. D'accord, si tu le dis. Placer le brasier central vers la fosse. Ah ouais, le mec il veut me pécho, hein. Tout va bien, Rodrigue? Ouais, ça va. Il va marcher, hein? Qui va marcher? Tu vas marcher, je te dis. Hé, hey, tu calmes. Si tu casses tout. Oh, ben voilà, ça marche. Maintenant les brasiers resteront à leur place. La méthode, Rodrigue. On sait pas comment, mais ça marche. Vous avez plus qu'à essayer. Y'a plus droit. Tout de suite. Y'a plus droit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici avec Rodrigue? Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand t'es prête, on y va. Hé, est-ce que ça va? Ben ouais. Pourquoi? C'était... intense. Ah, oh, les coups de pied. Mon père travaillait comme ça. Y a plus que moi pour suivre la tradition depuis qu'il... Bref. Et toi, ça va? Oh, ça va, ça va. Il me manque aussi. Tu sais quoi? Si on étendait encore le champ de recherche. Rodrigue, ça sert plus à rien. Ça fait déjà 30 jours. Allons, allons préparer la fosse pour la nuit, d'accord? D'accord. Arthur veut t'avoir pour lui, c'est ça? Ah, la ferme. Oh, Amicia, permets à ce brigand esselé de dérober ton cœur. Va plutôt te laver, tu pues. Quel doux ménestrel tu fais! Allez, et amène bien le brasier jusqu'au bord. Tu sais, aucun rat pourra escalader cette fosse. Ce système est là pour une bonne raison. Ce système n'arrêtera pas des soldats entraînés. Arthur, Mélie est fatiguée de courir. Mélie et moi, on n'est pas comme vous. Mais peut-être que Mélie n'est pas comme toi non plus. C'est bon, j'ai compris. Je te laisse le brasier du rempart. J'allume cela. Ok. Je sais pas si ça sert à quelque chose de... J'allume. Je sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'allume. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Là, il y a quand même plein de matériaux. Tu te dis, il va se passer des trucs. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Attendez, on va d'abord ramasser tout ce qui traîne, parce que s'il y a une cinématique qui s'enclenche derrière et qu'on peut plus ramasser, on sait jamais. Alcool, on est full. Évidemment qu'en alcool, on est full. Qu'est-ce que tu crois, ouais? Non, mais attends. Ok, en bas, on a quoi en bas, là? Encore des trucs à ramasser, parfait.
Outils, tissus. Instruments. Alors, on va quand même le faire. Ça va me simplifier la vie. Je sais pas si ça va vraiment simplifier la vie, mais en tout cas, je l'ai fait. Du coup, on va reprendre de l'alcool parce que là, j'en en ai plus. Ah bah si, j'en ai autant. Je suis encore full. Je m'en suis même pas servi, ok. Allez, on pousse ça jusqu'au bout. Avant que les rats ne ressurgissent. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? Je crois que j'ai eu raison. Ça se remplit vite, hein, la vache. Oh la vache, ils sont énervés, les rats. Oh là là. Tout ça pour rien, ouais. Les rats nous envahissent. Aïe. On se barre. Qu'est-ce que je dois faire, moi? Merde. L'échelle de la Sainte Rouge. Si on arrive à l'atteindre, on pourra rejoindre la tour. Utilise ton brasier. Je vais t'ouvrir un chemin de mon côté. Eh ben, c'est le bordel. C'est rejoindre Arthur. Attends, je ramasse. Là, je peux pas descendre, sinon je meurs. Brasier en place. Ramène-toi. C'est quoi ce bruit? Ils se regroupent. Ils vont éteindre les feux. Merde. C'est mort. J'ai plus d'unifère, Amicia. Et moi je vais en faire pas mal parce que je sens qu'on va s'en servir quand même pas mal. C'est pas la première fois. Allez, on pousse ça jusqu'au bout. Je détestais cette phase là quand on l'avait fait la première fois. Et là faut qu'on se le retape une deuxième fois. Ils sont contents de leur truc quoi. Oh là 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 là. Mets-toi à l'abri. Bon, je vais où à l'abri, moi? Ici, peut-être. Là, je peux pas... Non, je peux pas grimper. Attends, où est-ce que je dois aller, là? Amicia, va faire le brasier allumé. Ah, je l'ai pas vu, il est là. Il y a un brasier allumé. Voilà, et lui, il va pouvoir le déplacer, comme ça, parfait. Ah, on a pas peur de ça, ça sert à rien du tout. Tiens bon, je te rapproche l'autre. Fais vite s'il te plaît. Fais très vite, ouais. Allez. Ouf. C'est limite, oula encore, t'as la vache, mais tout ce qu'il faut balancer là. Putain, faut faire le plein, mais le plein quoi. Après ils mettent plein de trucs à ramasser, mais quand même quoi. Du coup là on va en face, ok. Après l'autre. Putain, il y a deux par deux là. Je fais maintenant. Où est-ce que je vais maintenant? Ah, ici, ok. Ok. Il n'y a rien à ramasser au cas où on regarde. On prend l'échelle. Oh mon dieu, j'y croyais plus. Ça va? Oui, merci. À
toi maintenant. Le brasier, de ton côté. Je te l'amène. Tu t'en sors? Ouais. Préfère être ici que... en bas. C'est quoi ce bordel, Alicia? Ils ont déjà essayé d'entrer, mais jamais... Ouvrir un chemin pour Arthur. J'en sais rien, moi. On aurait dit... une sorte d'attaque. Et on se fait attaquer, ouais. C'est le petit, il essaie de nous tuer. Pas l'armée anglaise. Mais ils savent ce qu'ils font. J'ai vu ça qu'une fois. Mais moi, j'avais bien qu'on aurait dû se tirer. Amicia, je crois que c'est besoin de toi. Je m'en occupe. Je me sens pas très à l'aise. Je peux pas aller plus vite. Tu m'étonnes. Lui, il doit venir vers moi ou il doit aller où? Est-ce que si je pousse les rats ici, est-ce que c'est suffisant ou pas? Ah non, je pensais qu'il y avait un truc. Ou alors on va le faire, on va plutôt le faire monter avec moi en fait, tout simplement. Oh, le bruit, je déteste le bruit. Entre tous les rats, la neige et tout là. Il en arrive encore. Ils veulent vraiment me couper. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant? Mais il y en a d'autres, le con. Alors on va se dépêcher, on va le faire monter parce que là ça va être. Hein, ils nous mettent la pression là. J'ai dit qu'un truc pour rien. Si les rats sont entrés... Amicia, c'est bon, c'est plus on a protégé Arthur. Ils ont l'habitude. Je ne veux plus prendre aucun risque. Je ne veux plus perdre personne. Ce que je voudrais vraiment, c'est être très loin d'ici. Bah, je suis pas magicien. Ça sert à rien, ok. Est-ce que ça va? Non, c'est quoi ce bordel? Arthur, t'as pas été mordu? Non, ça va. Faut qu'on se tire d'ici. Mais... le château est fait pour résister. Lucas, il n'y en a jamais eu autant. Tu vois bien que c'est pas quoi, alors? Mais non. Mais laissez-nous tranquille, ouais. Par ici. Vite. Non, il y a le mec là. Il y a Nicolas. Qu'est-ce qu'il fait là, le Nicolas? Non, avec Hugo. Et fais ce que tu dois faire. Tu ta sœur, ouais. Ah, les enfoirés. Combat entre nous et le petit frère. Viens. Il m'a pas reconnu. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre? C'était lui. Qu'est-ce que tu fous avec cette tête? Amicia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les rats! Oui, avec la macula. Pas de panique. Le château a été pensé pour ce genre de situation. Mais non, il est foutu, ton château. Oh là, le bordel, t'as le... Attends. Encore un chapitre excellent. D'un seul coup, les rats, ils vont surgir de partout. Ça y est, on est capturé, c'est fini. Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Au travail. Hugo, Hugo. Tu l'as. Ou je tuerai ta mère sous tes yeux. Hugo. Mais c'est sa sœur, c'est pareil. Amicia, ta sœur. Tu l'as, petit. Et peut-être que Vitalis te gardera. C'est échappé à Nick. Allez, gamin. Reculer pour échapper à Nico. Attends, c'est quoi le délire? Je l'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu attends, porteur? Passe ce satané feuille. Ne l'écoute pas, Hugo. Par contre, je me dirige pas du tout là, je recule, mais... je me dirige, mais alors pas du tout. Je vais l'offrir à tes rats. Ne le touche pas, espèce d'ordure. Ordure. Il s'est livré à nous parce que tu l'as trahi.
Grâce à lui, Vitalis sera bientôt l'unique porteur de la macula. Quoi ? Non ! Puis à cet âge-là, ils sont vulnérables. Était. Son sang coule maintenant dans les veines du grand inquisiteur. Partez maintenant ! Vous brûlerez en enfer ! Voilà ! Plus de Nicolas, ouais. C'est tout ! C'est bizarre, ça. Et Hugo, il est où, Hugo ? Ah, on va le perdre. Elle est bien faite, c'est super bien fait avec les couleurs, les lumières et tout, là. Je peux parler à Hugo. Vas-y, je m'occupe de l'autre. Hugo ? Je veux seulement te parler. Il ne peut plus rien te faire, Hugo. Regarde. D'accord, d'accord. Je bouge pas. Il va empêcher que Nicolas viens, y meure. Toi, si tu veux. Viens. Tu m'as menti. Non. Non. Hugo. J'essayais de te protéger. Je t'en supplie. Non. Adieu Arthur. Ah oh, c'est horrible. Putain, ça, c'est un gamin quoi, c'est abusé quoi. Vous ne me servez plus à rien. Allez, on va affronter Nicolas. Non, faut échapper à Nicolas. Hugo, il ne doit pas vous voir. On doit partir d'ici, Amicia. Balam est encore là. Mais ils ont perdu. Voilà. On a besoin d'eux. Ok, hop, faut étouffer les flammes. Ok, pour l'instant, faut faire ressortir les rats. Lui, il est là. Regardez qui voilà. Bien, lorsque Amicia tient la main d'Hugo, elle peut utiliser le pouvoir. Ah ok d'accord. Ah putain je suis mort. Non je peux. Ah non je peux traverser les rats, c'est bon. Vous ne pourrez pas fuir éternellement. Alors, hop. C'est bon ou pas ? Non, il fait quoi lui là ? Sérieux ? Non mais genre l'épée de flamme quoi, je me suis dit tiens c'est déjà fini mais ouais non c'était trop beau pour être vrai évidemment. Très bien, très bien, on va jouer d'égal à égal. Les rats, Amicia, il les a tous tués. On va libérer d'autres. Aïe 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 aïe. Putain, temps de faire les machins et tout là. Ah ouais, non, ok, faut pas qu'il me voit, je pense, là, pour la suite. Faut que j'éteigne son épée, j'ai vu. J'ai bien vu qu'il fallait éteindre son épée, par contre, faut pas qu'il me voit. Sinon, il se protège. Comme des cafards, hein. Et merde, et là, du coup, je peux pas, ouais. J'arrive. Ils sont forcément ici. Il les rallume avec ça. Tout près. Il les rallume, le copain. Allez hop, par derrière. Hey, ne bougez pas. Ne bougez pas. Ah non, putain, il a. Ah putain, faut allumer. Ah putain, c'est abusé.
Ok, bon, faut éteindre tous les feux comme ça. Merde! Aïe! Non! Amicia, non! Aïe, aïe, aïe. Ah putain, ouais, s'il faut éteindre tous les feux et le tout, là, c'est le bordel. Ok, bon, au moins, on a compris le principe. C'est bon, il y a un petit checkpoint pour lui. Très bien. On va jouer d'égal à égal. Lyra, Amicia, il est en train de se tuer. Merde! Je vais y crever. Oh putain, j'ai réussi. Putain, les rats, c'est là. Putain, faut que je galère. Allez hop, deuxième phase. Est-ce qu'il y a une troisième phase? Évidemment qu'il y a une troisième phase. Les ennemis ont toujours une troisième phase. Ben là, ils brûlent. Il faut attendre qu'il meure, là, non? Il les a tous eus. Et puis, je suis sûr, il va plus vite aussi, non? Foiré. Venez à moi. C'est la fin. Bordel. On va les attirer, on va l'attirer vers le dernier rang, si possible. On va y arriver, on va se le faire, c'est bon, ils sont là. Où êtes-vous passé, hein? Ah, j'arrive. Allez, on y va, voilà, c'est facile au final. A chaque fois je dirigeais vers les rats, mais y a pas besoin. Allez, y a plus de Nicolas, on a battu le boss. Bon, on s'est raté une fois au début, mais ça va. Arthur. Non. Hugo est de retour avec nous. Arthur est mort. Il était amoureux de nous. Il nous reste plus que le forgeron. Ferme-la. Arrête, s'il te plaît. Je vais les crever. Je vais brûler leur putain de manière. Mélie, t'as aucune chance. Ah ouais, et toi? Tu vas faire quoi? Rester ici? Mais ouvrez les yeux! Regardez! Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Je me rends compte qu'on crève les uns après les autres! Ils ont eu mon frère, ton père, le vôtre! Il reste plus rien! Plus rien! Elle a raison. Amicia, c'est de la folie! On est 5 contre une armée. En fait, on est beaucoup plus maintenant. Bah oui, on a Hugo avec les petits rats. C'est le seuil ? On est des millions ! Je crois. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu en dis ? Je veux sauver maman. Ça change beaucoup. Je veux sauver maman. Quitte à ce qu'on meure, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Nous ? Rien. Mais Vitalis, il s'attend pas à nous voir venir. Alors on y va. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. C'est bien ça. Allez, fin du chapitre, on a tué Nicolas. Début du chapitre 16, le sacre. On va aller affronter le pape. Voilà, toute l'équipe est réunie. C'est grand. Tu crois qu'on va arriver à trouver maman? On va la sortir. Entrer dans la ville. Bon, allez, ça suffit de traîner. Ouais, attends. On va aller se taper Jean-Paul II. On va se calmer. Mais on peut pas l'aider. C'est pour ça qu'on est là. Pour l'aider à se venger. Et pour qu'elle reste en vie. On a le petit et les rats. On est invincible. Roderick, c'est un enfant. Carrément. Et c'est ainsi, les amis, que s'achève cet épisode. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On était en live sur Twitch. On a battu Nicolas. Il nous reste plus que le prêtre là à l'affronter. Il va se transformer. Je sais pas ce qui va lui arriver. Mais il va se passer des trucs de fou à la fin. Je le sens bien. Allez, merci à vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Nous, on va continuer directement. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Salut !